Bonjour à tous, on se retrouve après quelques petits soucis techniques pour la suite de Mass Effect. Donc on vient, pour résumer. Donc l'épisode précédent, désolé pour la qualité qui doit être un petit peu mauvaise, j'ai dû le récupérer sur YouTube. Là, a priori, ça enregistre, ça me bouffe un max de processeur, par contre, c'est peut-être pour ça que ça a posé quelques soucis. On va voir ce que ça donne. Donc on s'est posé sur Eden Prime et ben, il va falloir que je refasse mes raccourcis. Crotte, crotte, crotte. Et donc on va voir un peu ce qui se passe. De bon. Donc nos copains, ils sont là. Je vous remets un peu le son. On va parler au fameux Jenkins. Rappelez-vous, il faisait le kéké. Ouais, j'ai envie d'action. Faut que ça move. C'est pas par là, hein. Ne saute pas, Jenkins. Nom de Dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, fais-moi le malin. C'est bien ce que je disais. Ça sent la fumée et la mort. Mais c'est lui, Jenkins. Ça sent la fumée et la mort. Non, lui, c'est Alenko. Allez, on y va. Donc, a priori, oh, il y a des trucs bizarres là-bas. Des pustules. Mais c'est dégueulasse. Alors, je vous rappelle que je suis franc-tireur, ce qui veut dire que je suis plutôt bon de loin et pas très bon de près. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, on peut viser si je me souviens bien. Voilà, c'est ça. Bordel. Comment? Est-ce qu'on peut aller loin? Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'espèce de pistolet, il y a un truc pour recharger, on va regarder les. Ouais, on peut tirer quand même d'assez loin, c'est plutôt cool, comme ça on se baisse. Ok, d'accord. Recharger en lot. Est-ce qu'on. Re... Ça... Non, ça se recharge automatiquement, voyons, c'est moderne, ces engins-là. Ces engins-là. Vous avez entendu? Il se passe des choses. C'est pas vrai. C'est quoi cette boucherie? Quelle boucherie, Kama? Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est un rocher ou un vilain? C'est un rocher. Oh oui, bah d'accord. Moi, j'aime la viande bien cuite, mais quand même. D'accord, comme ça, on change d'arme. Très bien, j'ai pigé. Oh, encore un blob là-bas. Alors curieusement, alors qu'il n'est pas plus loin que l'autre tout à l'heure, je n'arrive pas à me le faire. Allez comprendre. Par contre, on va en profiter, je voudrais regarder un petit truc. Ouais, d'accord. Vous voyez en bas à gauche, j'ai ça chaud. Et à mon avis, quand il est chaud, après, on ne peut plus l'utiliser. Stop! Attention au maximum. Oh mon Dieu, mais qui... Oh! 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 Pourquoi je peux pas tirer là? Je suis en surchauffe! Cachons-nous! On a gagné un niveau, c'est déjà bien. Tout le monde est mort? Même notre pote? Oh mince. Tu es mort? C'est Jenkins? Ça l'a transpercé de part en part. Pauvre gars. Il mérite certainement un enterrement, mais on n'est pas là pour ça. On ne peut plus rien pour lui. Bougez-vous tout le monde. La mort, c'est le quotidien des Marines. Ceux qui restent doivent continuer. Il faut encore trouver cette balise. Hein? À vos ordres, chef. C'est pas une tafiole. Hein. Donc le codex, c'était O. Qu'est-ce que ça nous apprend? Rien. J'aimerais. Ah oui, je crois que c'est espace, non? Voilà, espace. Servez-vous du HUD tactique pour donner des ordres de manœuvre à vos équipiers, leur indiquer d'utiliser leur pouvoir, changer d'armure. Donc Shepard, it's me. Donc par exemple, endommage les boucliers, d'accord. On va peut-être pas trop s'embrouiller pour commencer. Donc là, ça nous permet de choisir nos armes. Et on choisit donc notre équipier Kaydan. Ça doit vouloir dire avance! Tiens la position! Attaque! Regroupement, et on lui choisit ses armes, d'accord. Et on a ensuite, je suppose, un inventaire qui est sur I.
Cliquez sur les onglets de filtre pour passer d'un type d'objet à l'autre. Sélectionnez un objet dans la liste de modèles disponibles et cliquez sur le bouton équiper pour l'utiliser. Cliquez sur Omnigel pour convertir irrémédiablement l'objet sélectionné en Omnigel. Cliquez sur l'un des ports pour mode d'un objet équipé pour choisir un mode. D'accord. Alors l'Omnigel, c'est Saluti Web. C'est en fait le Medikit, quoi, hein, pour faire simple. Ok. Et donc là, on a pareil l'équipement de notre partenaire. Très bien. Alors par contre, ce que j'ai pas trop pigé, c'est que je crois... Bon, ils vont nous le dire au fur et à mesure, je pense. Ça doit être une zone de tuto pour réattribuer nos points-points. Comment on fait pour ranger ces... Ah ouais. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée de le ranger. Et comment est le stream? Parce que sur mes retours, ça a l'air de saccader. Mais vu que je bouffe pas mal de CPU et que j'ai deux retours dans des fenêtres web différentes, c'est peut-être lié à ça. Mais cache-toi, pourquoi tu es plus caché? Alors, on peut pas avancer en étant accroupi, c'est quoi ce board? Ce bordel? Non, c'est par là qu'il faut tirer la merde. D'accord. Oh yeah. Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouille. Ok. Merci, Tiwell. Donc ça, c'est... comment il s'appelle l'autre, là. Le lézard, là. Qui nous cause... Alors, pourquoi je pouvais pas avancer en étant accroupi? Bah si, là, je peux. Pourquoi je pouvais pas tout à l'heure? Parce qu'il se met à couvert automatiquement, peut-être. Ouais, d'accord. D'accord, il n'y a pas un truc pour se tirer en étant couvert? Non. Ça, on court. Ouais, ok. Et ça, on vise. D'accord. Est-ce qu'on peut ramasser des trucs là-dessus, d'ailleurs? Tiens, on dirait bien que oui. Alors, un mode d'armure, un régénérateur que l'on va prendre pour l'instant, puis on verra ce qu'on peut en faire plus tard. Oh, oh. Il y a un schmurtz là-bas. Ils ont pas l'air méchants ces trucs-là, c'est peut-être quand ils nous pètent à la tronche que ça fait mal. Alors j'ai d'autres fusils qu'on pourrait essayer, mais celui-là a l'air pas mal. Équipez-vous de votre fusil de précision et abattez la poche de gaz, mais j'ai déjà fait. Alors appuyez longuement sur espace pour mettre le jeu en pause et commencer le changement d'arme. D'accord, donc je suppose que c'est celui-là, l'Avenger qu'ils veulent que j'utilise. Et donc l'Avenger, waouh. Par contre, ça bouge. Lequel il veut que je dégomme? Celui que je viens de dégommer, il y en avait un autre qui était planqué par là, je crois. Là-bas. Il y en a même plus d'un. C'est pas très pratique, en fait, pour ça. Qui c'est qui tire, là? Ah, ok. Punaise, ça bouge. Ça a l'air efficace. Reprenez votre arme précédente, qui devait être celui-là, je crois. C'était quoi que j'avais au-dessus de la tête, là? Il y avait une drôle de bête. Donc, on n'a pas à recharger, ce qui est plutôt une bonne chose. Ah, Medigel. Oh, moi, tous les samedis, quand je sors, j'ai Medigel. Mec, on est déjà fatigué, ma mère. Désolé. Sur quoi tu tires, mec? Pour ces blagues pourries. Ah oui, mais on les voit dans le radar, les ennemis. Qu'est-ce que c'est bien fait? Dites-donc. C'est très, très bien fait. Ça marche, ça? Non, ça marche pas. Attendez, je regarde juste un petit truc. Paramètres. Commande. Je cherche la sauvegarde rapide. Il y a bien une sauvegarde rapide là-dedans. Je sais pas. Hein? On recommence. Il y en a forcément une. J'ai une interaction. Une tactique carte. Carte, c'est C, ce qui est logique. Hein. Est-ce que M est utilisé? Allez, on va réattribuer ça à M. Ok, équipement I, d'accord, inventaire, commando, c'est pour gérer J, journal, O, d'accord, sauvegarde rapide, F6, non.
Moi, je prends F5, ok? Appliqué. Ok? Allez, on y va. On retourne. On retourne à la guerre. Donc, je voulais faire un F5 pour tester. Échec de la sauvegarde rapide. On ne peut pas sauver en combat, certainement. Où il est, le débilos, là? D'accord. Et là, ça doit marcher, non? Échec de la sauvegarde rapide. Très bien, c'est super. Pour remettre un message un peu plus... Eden Prime ne pourra jamais se relever. Mais si. Il pourrait mettre un message un peu plus explicite. Si c'est pour ça. Pourquoi tout à l'heure je pouvais courir comme un fou? Et comment il fait pour respirer? Oh! Ok. C'est un claqueur. Pour vous relever, non, moi je veux prendre ça. Alors est-ce qu'on prend... Prends ça dans les dents, mon ami. Merci pour le coup de main, commandant. Ah mais il est mort. J'allais y rester. Mais non, voyons. Alors on peut aussi le faire à la roulette. Alors attendez, ouais, viens toi. Reste pas tout seul, copain. Donc en bas, on a la vie de l'ami Kaidan. Je sais pas s'il prend... Oui, oui, j'ai mis en normal, bien sûr. Mais tu me prends pour qui, quand même? Enfin. Avec mon skill de merde. Maître artilleur Ashley Williams de la 212e, chef. C'est vous le plus haut gradé? Yep, que s'est-il passé ici? Williams, au rapport. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Survivre à quoi? Vous avez une idée sur la nature de l'ennemi? Je crois que c'est des guettes. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de 2 siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir? Hein? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Elle y est peut-être encore. La différence entre joignez-vous à nous et guidez-nous, je ne la vois pas très bien. Donc on va prendre guidez-nous. Venez avec nous, Williams. On a besoin de cette balise. Bien compris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. Ah ouais? Avec les guettes? Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les guettes? Ce qu'on apprend en cours d'histoire. Ce sont des formes de vie synthétiques avec une IA limitée, créées par les Cariens il y a quelques siècles. Ok. Ils faisaient office de main-d'œuvre bon marché, mais ils ont fini par se retourner contre les Cariens qui ont dû prendre la fuite. Après ça, les guettes ont comme qui dirait disparu derrière le voile de Percé. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Très bien, bah on les a retrouvés. La balise, on va pas lui demander forcément grand-chose. Peut-être un peu ce qui s'est passé avant l'attaque. Que s'est-il passé avant l'attaque? On est venu de la colonie principale il y a 2 nuits pour nettoyer la zone. Ça s'annonçait comme une patrouille de routine, jusqu'à ce que les guettes nous tombent dessus. On n'a rien vu venir. Et les scientifiques qui travaillent là, où sont-ils? Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Aucune idée. Ils avaient un campement près de la balise avec la 232e en faction. J'espère que leur unité s'en est mieux sortie que la mienne. J'espère aussi. Allons-y. En route! Nous avons récupéré D'accord. Des munitions perforantes. Bah, c'est cool! Appuyez sur I pour afficher l'écran d'équipement qui vous permet de modifier et améliorer les armes, armures et autres objets qu'utilise votre commando. Accédons dès maintenant à l'écran équipement. Eh bien, allons-y! Oui, évidemment, si je rappuie aussitôt. Cliquez sur les onglets de filtre pour passer d'un type d'objet à l'autre. Les onglets de filtre, d'accord, on va voir ça tout à l'heure. Sélectionnez un objet dans la liste de modèles disponibles et cliquez sur le bouton équipé pour l'utiliser. Bien sûr, cliquez sur Omnigel pour convertir irrémédiablement. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Donc, un objet en Omnigel, donc en Medikit. Cliquez sur l'un des ports pour mode. Vous comprenez, mais vous avez l'air cool. Donc, les fusils d'assaut. J'en ai pas. Ah, bah si. D'accord. Ça les filtre là. Oh, c'est compliqué, chaud. Ça, c'est les trucs pour mettre des modifications. Chaque arme dispose au moins d'un port pour mode d'arme et d'un port pour mode de munitions.
cliquer sur l'icône d'arme pour accéder au mode d'arme applicable ou sur l'icône représentant une balle. D'accord. Donc retour, ça me paraît pas très très évident, mais... Hein. Performant. Alors, est-ce qu'on peut l'équiper? Oui, alors on va l'équiper. Spécialement conçu pour percer le métal, c'est super. Ouais, d'accord. Donc pour chaque arme, en fait, on peut lui ajouter des modes. Ça, c'est le Storm One. Ok. Est-ce qu'on peut lui ajouter quelque chose? Donc attendez, là, je l'ai fait sur mon fusil comme ça. Ça, j'en suis pas équipé, si je comprends bien. Et on peut le comparer avec l'équivalent qui est celui-là. Dégâts 102, dégâts 101. Celui-là surchauffe plus rapidement, bah donc il ne sert à rien à la limite. Par contre, il y a ça qui m'intéresse. Ah non, d'accord, ok, j'ai rien pigé encore. Fusil de précision, donc c'est l'Avenger chez nous. Qu'est-ce qu'on peut lui coller? Rien, puisqu'on n'a plus rien, aucune amélioration. D'accord. Ça, c'est quoi? Les grenades. On a lance-grenade? Faut qu'on regarde comment ça marche. Le Blue Wire. Alors, je ne sais pas ce que c'est, l'Omnitech là. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et ça, c'est l'armure. L'armure, est-ce qu'on a une amélioration possible? Une alimentation auxiliaire augmente le taux de régénération des boucliers. Donc on va bien entendu l'équiper. Et on y va. Kaidan machin, est-ce qu'il peut se débrouiller tout seul? Je suppose que ce qu'on a est partagé par tous les... Ouais voilà, tout ce qu'on récupère, il faudra le dispatcher à notre équipe. Donc concrètement, on n'a plus rien à lui filer. D'accord. Elle est bouclier très faible. Bah, lui, il a pas du tout de bouclier. Non, j'ai rien pigé, c'est pas ça. C'est chaque arme, d'accord. Ok, bon, écoutez, on va continuer à avancer comme ça. Et on verra bien ce que ça donne. Alors, j'ai pas pigé. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure. J'ai couru à une vitesse assez folle. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que là, je ne cours plus. Armure légère, on la prendra, on va rééquiper des munitions chimiques, c'est cool. Hammerhead, ça pète la tête, c'est ça non? Alors je crois que c'est aussi un peu ce qui m'avait ennuyé au début. Courez jusqu'au pont pour vous mettre à l'abri, vous échapperez ainsi au feu. Donc on tire dessus, hein, c'est ça? Non. Pour vous mettre à couvert, avancez vers le rocher, l'arme au poing. Oula, vous avez vu ce petit boubouk. D'accord, je comprends un peu mieux. Et ça marchait pas comme ça tout à l'heure, mais c'est pas grave. Après, bouton gauche à souris, d'accord. Donc par exemple, là je fais ça. On s'accroupit, ok. Vous tirez sur qui les copains? D'accord. C'est pas ce flingue-là que j'avais tout à l'heure. Je pouvais tirer en rafale. Enfin, en rafale. On l'a eu ou pas? Oui, on l'a eu. Mais il en reste. Ne tire pas dans les oreilles, toi. Dead? Il y en a encore deux. Ok, je comprends. Ah, mais on doit pouvoir faire ça. Voilà, on peut faire ça. Donc ok, on peut tirer en continu. Je tirais tac 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 tac, on peut le faire en continu, très bien. Allez, venez les amis, n'ayez pas peur. Je suis avec vous. Là il a pu sauvegarder, donc il doit y avoir une raison pour laquelle peut-être quand il y a des ennemis, on ne peut pas. Peut-être. Allons voir. Qui me parle? C'est toi? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, mais on en récupère des choses. J'espère qu'il va pas y en avoir trop de choses. Parce que sinon, on va vite être largué. Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui? Des hommes à nous ou par les guettes? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Les survivants, on s'en fout. Allons on voir. On va au campement. C'est au sommet de cette crête, en haut des rampes. Appuyez sur F5, d'accord. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatioport droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. Droit devant?
Vous venez ou quoi, vous? Dans le genre, je le sens pas super super. J'entends du bruit, qu'est-ce que c'est? Rien? On dirait que le camp de recherche a été salement touché. On dirait bien, effectivement. Ils ont fait des brochettes. Ils sont encore vivants. Qu'est-ce que les guettes leur ont fait? Ils les ont fait appuyer sur R pour lancer une grenade. Attendez qu'elle explose ou appuyez à nouveau sur R pour... R pour la grenade. Ça me paraît pas super naturel, mais bon. Attendez qu'elle explose ou... Oup ! On peut pas se planquer là. Ah oui, moi je suis votre commandant, mais moi je fais... me fais caca dessus, ok ? Ok, il me voit pas, c'est cool. Il est un peu bête ou quoi? Bon, ça me dérange pas, hein. Alors celui-là, il a surchauffé hyper rapidos. On va dire que c'est le tutoriel, hein. J'ai pas trop pigé. T'as quelque chose à me dire, toi? On croyait en sécurité ici. Bon, nulle part, on est en sécurité. Et puis les guettes sont arrivées. Pourquoi tu fais Explique-toi clairement, mec. Cette porte, elle est fermée. Verrouillage de sécurité enclenché. Utilisez tout jet Q, d'accord, pour atteindre le noyau central. Oh là là. Oh là là. Ça va me faire mal au crâne, ça. Je le sens. Alors. Pour atteindre le noyau central. Tenter un override manuel, ça veut dire que on doit avoir des systèmes automatiques un peu comme les clés. Je suis où là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Ah d'accord. Voilà, c'est tout simplement. Vous pouvez également forcer récalcitrant de l'omnigel. Ce dernier s'obtient, d'accord, on a compris le sang. Ok. Des humains, loué soit le créateur. Vite, fermez la porte avant qu'ils reviennent. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Je suis le docteur Warren. J'étais responsable des fouilles. Nous nous sommes cachés dans l'abri pendant l'attaque. Ils ont dû venir pour la balise. Heureusement, elle n'était plus ici. Elle a été expédiée au spatioport plus tôt dans la matinée. Manuel et moi sommes restés pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Pas de chialer. La balise. Savez-vous quelque chose à propos de la balise? C'est une sorte de module de données connecté à un réseau de transmission galactique. Son état de conservation est excellent. Il s'agit peut-être de la plus grande découverte scientifique de ce siècle. De nouvelles technologies miraculeuses. Des avancées médicales incroyables. Qui sait ce que renferme cet objet? Nous avons déterré le cœur du diable, réveillé la bête, libéré les ténèbres. Lui, il faut le piquer, hein. Oh là là, mais... Manuel, s'il te plaît, pas maintenant. Et Nilus, vous l'avez vu, Nilus? Avez-vous vu un Turien dans les parages? Je l'ai vu. Le prophète. À la tête de l'ennemi. Il était ici, juste avant l'attaque. C'est impossible. Nilus était avec nous sur le Normandie avant l'attaque. Il ne pouvait pas être ici. Je suis désolé. Manuel est encore un peu... déboussolé. Ouais, mais peut-être non, pas tant que ça. Nous n'avons pas vu votre Turien. Nous sommes cachés là depuis l'attaque. Et... l'attaque... votre assistant qui craque, là? Qu'est-ce qu'il a, votre assistant? Manuel est très intelligent. Mais il a toujours été un peu instable. Le génie et la folie marchent souvent main dans la main. Est-ce folie que de connaître l'avenir? De voir la grande destruction fondre sur nous? De savoir qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir? Non, je ne suis pas fou. Il n'y a que moi qui sois sain d'esprit. Amen. Je lui ai donné une double dose de médicaments après l'attaque. Vous croyez que je peux accélérer les choses si je lui tire une balle? Faites beau rêve, Manuel. Nul ne peut faire taire la vérité. Ma voix doit s'élever dans les... Voilà. Mon Dieu, qu'avez-vous fait? C'était un peu radical, commandant. Vous n'avez pas le droit de tabasser les gens comme ça. Il survivra. Une petite bosse, rien de grave.
Il ira mieux au réveil. Faut apprendre oui, à se faire vous respecter. Vous avez peut-être raison. Quand il se réveillera, les médicaments auront fait leur effet. Williams, emmenez-nous au spatioport. Bonne chance, commandant. Merci. Alors, journal. Journal, mon beau journal. Donc, trouver la balise, donc c'est ça, le journal de quête, c'est très bien. Donc, il nous reste à aller au spatioport, pardon. Et qu'est-ce qu'il nous disait d'autre ? Tant pis, on le verra un autre jour. Mais il me semblait qu'on avait des points de compétences qu'on pouvait réattribuer là-dedans. J'ai rêvé ou quoi ? J'ai rêvé ? Je suis presque sûr. On peut sauter ou pas ? Oula, oula, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas là pour sauter. Je vais convertir quelques bricoles en gel, en medikit. Bah, c'en était ça, donc j'en ai. C'est bon. Alors, on pourrait réattribuer tous les trucs. Je sais pas si la petite flèche qu'on voit sur le scanner, le radar en bas, correspond à la direction qu'on doit prendre, si certainement. Ah, la Nihilus. Nihilus Fanfanich. Sa reine. Nihilus. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas en mission. Le conseil a cru bon de m'envoyer t'épauler. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire, je me charge de tout. Oh oh. La capacité surcharge désactive les... pour l'activer rapidement. Qu'est-ce que c'est là-bas au loin ? Attends ! C'est quoi, c'est ça ? Kaidan ? Oui, mais moi j'aimerais bien le mien. Shepard, c'est ça, surcharge ? Donc faut que je mette par exemple là, c'est ça ? Ok. Ils s'en vont ! Des méchants là-bas, vous croyez tous? C'est Nihilus ou le méchant qui est là-bas? Non, c'est Nihilus. Je pense qu'on peut y aller. Hein. Non, c'était pas un gentil. Hein. J'ai rien fait, il est mort, c'est cool. Il y en a un autre là, vous le voyez? Là. Je suis en surchauffe, aidez-moi! Ah, mais ça met du temps à refroidir en plus, cette saleté là. Ok. Vous venez d'équiper une arme pour laquelle vous n'avez pas reçu de formation. Ben, c'est pas de bol. On va reprendre ça, celle-là non plus. Celle-là, je peux la prendre a priori, puisque tout à l'heure il n'avait pas couiné. Donc celle-là, je chauffe quand même relativement vite. Échec de la sauvegarde rapide. C'est parce qu'il y a encore un ennemi dans le radar. Faut que je regarde absolument comment on fait pour sauter. Mais j'ai pas changé d'arme, qu'est-ce que tu me racontes là? Ah, attendez. Comment on fait pour prendre du... C'est pas ça. Omnigel. Je peux pas, j'en ai pas. Fusil à pompe. Donc ça, c'est tous ceux dont on dispose. D'accord. C'est un peu compliqué, ça. Donc là, on mélange l'hurricane. D'accord. Donc celui qui est le moins bon, c'est lequel? Ils sont kiff-kiff. Celui-là fait un peu plus de dégâts. Donc éventuellement, on va l'équiper. Et celui-là, on va le transformer en omnigel, c'est ça? Ouais, ça a l'air d'être ça. Mais après, moi, comment je fais pour lui filer de l'omnigel? Je ne sais pas. Tu ne peux pas m'aider, Tiwe. Mais qu'est-ce que je vais devenir si tu ne peux pas m'aider? Hein?
Donc, on était bien dans l'inventaire. Ouais. Donc, c'est pas ça. Alors, on va regarder. Il y a peut-être une touche. Une touche. La carte, le journal, le codex. Dans les commandes. Carte, équipement, commande, sauvegarde, avant, recul, déplacement, gauche, droite, s'accroupir. Il n'y a pas sauté, au fait. Ah, peut-être que c'est encore un jeu où on saute pas, ça. Feu, zoom, modifier, grenade. Mais secours, c'est F, en fait. On peut prendre F. Mais à ce moment-là, comment on fait pour soigner un copain? Par exemple, Kaidan, il est mal, Kaidan. Il est où, Kaidan? Il est là. Est-ce que je peux te soigner? Occupez-vous plutôt de nos ennemis! Ok, désolé. Je ne sais pas. Il est où l'ennemi? Moi, je suis à la moitié de ma vie, donc on va tenter encore un peu. C'est ça l'ennemi? Non, là c'est là où il faut aller, je suppose. Ennemi? Là. Ok. J'aimerais bien savoir comment on le soigne, le copain. Il n'y avait pas un truc pour commando là? Voilà, c'est. Commando, d'accord. Clique. Ah bah voilà nos points. Cliquez sur un talent pour dépenser les points et améliorer votre cette capacité. Passez la souris sur un talent. Très bien. Alors, Kaidan, qu'est-ce qu'il a comme point? Électronique verrouillée. Ok. Surcharge. Ok. Ah, je sais pas ce qui se passe, mais ça a l'air cool. Donc, combien j'ai? Moi j'ai 9 points. Bah voilà. Donc déjà, on va se rajouter des points. Donc des points en franc-tireur puisque c'est notre truc de base. En intimidation, en pistolet, qu'est-ce qu'il m'en reste? Il m'en reste 5. Armure tactique, je sais pas trop ce que c'est, mais on s'en fiche. Assassinat, augmente les dégâts. Alors par contre, on a, et c'est normal vu notre classe, on a que pistolet et fusil de précision. Donc tous les autres, ça sert à rien, c'est ça. En particulier, le fusil à pompe et compagnie. In the Baba, est-ce que les points sont distribués? Il en a pas, il en a pas. Donc comme ça. Ok, si tu veux. Ok, moi si tu veux, ça me dérange pas. Charme. On va se mettre un peu de charme après tout. Et on va augmenter franc-tireur. Réduit l'échauffement. Allez, on peut pas monter plus loin. Et un petit pistolet. Fusil de précision. Je peux pas là, je sais pas pourquoi. Est-ce que... En tout cas, c'est pas là, encore une fois, où on peut leur filer des soins. Donc je sais pas comment on fait pour donner des soins... aux copains. Il doit y avoir... ça doit être possible, mais je ne sais pas comment. Équipement? Non, c'était I, équipement, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Bon, on va voir s'il y a un blessé. Ce qui va lui arriver. S'il finit par mourir ou pas. Ça m'embête de ne pas pouvoir sauter. Ça, c'est un truc... J'aime pas les jeux où on peut pas sauter. J'aime bien sauter, moi. Faire des pieds. Whoopi! Et j'aime aussi me frotter au mur invisible. C'est ma passion. Dans la vie. Donc on a le truc bien défini là-bas, donc on va y aller. Alors je prends mon temps un peu comme d'habitude, parce que container explosif, c'est-à-dire... Ça va me péter à la tronche. Les bruitages du... C'est lui, commandant, c'est Nilus. Il est mort, Nilus? Il y a quelque chose qui bouge, là, derrière ces caisses. C'est peut-être juste une souris. Attendez, ne tirez pas. Je suis des vôtres. Je suis humain. Qui êtes-vous? Vous essayez de nous prendre en traître? Non, je voulais juste me cacher. Pour échapper à ces créatures. Je m'appelle Powell. J'ai vu ce qui est arrivé à ce Turien. C'est l'autre qui l'a flingué. Très bien, dites-moi ce qui s'est passé. Dites-moi comment est mort Nilus. L'autre Turien était là en premier. Votre ami est arrivé après. J'ai entendu le nom Saren. Apparemment, il se connaissait. Saren, ouais, c'est Saren, faut s'en souvenir de ça. Votre ami a eu l'air de se calmer, il a baissé sa garde. Et Saren lui a tiré dans le dos. D'accord. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ses caisses. Bon, nous, on est un là en mission. N'oublions pas, on est militaire, notre priorité, c'est la balise. Donc, la balise, donc a priori, donc on le sait, Saren a buté Nilus, donc ça, on le sait.
On nous a informé qu'une balise protéenne se trouvait dans le spatioport. Où est-elle? Sur l'autre plateforme. Je parie que ce type là, ce Saren, c'est là qu'il allait. Il a sauté sur le train de marchandises après avoir refroidi votre ami. Je savais que cette balise attirait les ennuis. Tout est allé de travers depuis qu'on l'a trouvé. D'abord cette saloperie de vaisseau mère apparaît, et ensuite cette attaque. Tout le monde est mort. Tout le monde. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses, sans quoi j'aurais clamsé aussi. Vous avez échappé aux guettes ? On va lui faire et comprendre un peu. Et vous êtes le seul à avoir survécu. Pourquoi personne d'autre n'a essayé de se cacher derrière les caisses ? Ils n'ont pas eu le temps. Moi, j'étais déjà derrière les caisses quand on s'est fait attaquer. Bon, en tout cas, je te recommanderais pas, mec. Attendez un peu. Vous vous cachiez là avant l'attaque ? Oui, bon, ça m'arrive de faire une petite sieste, histoire de tenir le rythme, quoi. Je me cache derrière comme les caisses. Comme quoi, t'es un tir au flanc. Le contre-maître peut pas me voir. Ça aide. Il a survécu par pure fainéantise ? Allons-y. Il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard. Absolument. Prenez le train de marchandises. C'est ce qu'a fait l'autre Turien. Je peux pas rester là, il faut que je me casse d'ici. Je suis limite à le buter, lui, hein, mais bon. Alors, appuyez sur flèche haut pour signifier à votre commando d'avancer. Ok, eh bien on va pas avancer, on va faire une petite pause. Je me redresse de mon canapé divan pour changer d'épisode. Je me tâte en fait à me prendre le trognon, à faire des épisodes. Je sais pas. Si je le fais qu'en stream, je peux vous augmenter la qualité du stream puisque je suis en 720p. Bon, écoute, on va commencer. On va continuer comme ça pour l'instant. J'y réfléchirai demain. Enfin, cette nuit, voilà, ou je sais pas quand. Et le truc de Twitch, il est vraiment nasbrock. Donc là, j'ai arrêté les trucs. Est-ce que vous êtes prêts? Ben, j'ai oublié de dire au revoir. Je suis trop con. J'ai coupé sans dire au revoir. Ah ouais, bon, bah, comme ça, c'est un signe qui veut dire fais tout en stream et te prends pas le chou à faire des épisodes. Et puis c'est tout. C'est marrant, on fait une petite pause en attendant. C'est marrant de voir. Je comprends pas, moi, ça me fend le cœur que ces vieux jeux-là, entre guillemets, ils datent de 2007, je crois, ce Mass Effect. Ils intéressent beaucoup moins de gens que un jeu comme The Last of Us. C'est un peu normal, mais en même temps, je suis sûr que 90% des gens n'ont jamais vu cela. La culture, les amis. T-Web, ouais, je t'avais pas répondu tout à l'heure, puisque c'était en pleine cinématique par rapport à Deus Ex, le 2, où tu ne peux pas sauter. Ouais, moi aussi, ça me saoule quand on ne peut pas sauter. Bon, en même temps, je comprends pourquoi. Hein. Faire autoriser le saut, ça va entraîner beaucoup de contrôle pour pas que les gens fassent des trucs non prévus. Je vais lancer l'enregistrement de l'autre épisode. Quelle heure il est là ? 6h30, allez, on s'en fait encore un d'une petite heure. Et puis ce sera bien, allez, je lance l'enregistrement. C'est parti, je remets mon costume dans le dos, bien. Bonjour les amis, on se retrouve sur Mass Effect. Je m'y retrouve moi, puisque je n'y suis plus, puisque je n'ai plus l'écran, voilà. Pour la suite de notre petite aventure, je vous rappelle, d'ailleurs on va en profiter pour tester ça. Donc, notre journal... On doit prendre le train, et ben voilà, on va jouer à Final Fantasy XV maintenant. Affectation, dadadadada. Ok. Bon, on a toujours un mystère à résoudre. Donc les flèches. Ah, mais c'est pas du tout pratique les flèches. Bon, ça veut dire aller par là. D'accord. Ouais, c'est pas très pratique. Hein. Et je suppose que, bah, ça doit faire autre chose. Revenez vers moi, bah non. C'est ça. Bon, dans quoi tu tires là? Ah, apparemment, il y a des vilains. Ils sont cachés là, les vilains. Bon, alors les amis, vous allez là-bas. C'est parti. Moi, trouillard comme je suis, on va peut-être lui filer un coup de main quand même. Là, je lui ai tiré dans la tête, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh là là, il m'est arrivé un truc bizarre. Oh, je suis pas en forme là. Non mais. Bon, ouais, ça y est, pour moi c'est fini. Oh là là, mais elle est en crise, elle a fait quelque chose. Ah, c'est trop bon ça. Ouais, là je suis bloqué. C'est pratique le tir comme ça parce que
Eh ben, ma pauvre, t'as quand même un peu bizarre, toi. Hein. On va dire que c'est à cause du mode que j'ai mis. Appuyez sur flèche pour donner, attaquer l'ennemi que vous visez, d'accord. Mais je peux pas lâcher la souris en même temps. Je voulais essayer autre chose, moi. Je voulais essayer ça. Ça fait quoi, ça? Boum. Oh, c'est pas mal, ça. Mais par contre, il doit y avoir un temps de recharge, je suppose. Et si je leur dis rien, ils font rien, ces andouilles. Et on peut pas les diriger un par un. Bon, ça va, ça dit. Ils avancent et après, ils... Ok, vu. Alors, on va essayer notre arme. C'est laquelle? Celle-ci. Ouais, c'est d'accord. C'est pas ça. Bah pourtant, c'est ça le fusil. Non? Ça. Je sais que je ne peux pas. Mais je le fais quand même. Non, c'est pas ça. Mais pourquoi le fusil à lunettes, il est plus lunettes? Ah si, mais il fallait le temps, quoi. Je suis en surchauffe. D'accord, ça sert pas à grand chose apparemment. Je suis derrière une plaque. Flèche bas, suivez-moi les amis. Je chauffe. Donc si on le vise pas, elle sort pas de là. Ok. Où est le troisième? Il est plus par là. Ordonnez à Kaidan d'utiliser son pouvoir de projection, mais comment je peux faire ça, moi? Ordonnez à Kaidan, comment je fais? Comme ça? Kaidan, son pouvoir de projection. C'est ça, non? Projection. Et je choisis qui? Je veux, c'est ça? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je veux pas. Ça manque clairement d'un peu d'aide. Hein. C'est donc... Ah oui, il est là, d'accord, vu. Je vais réessayer parce que j'ai pas pigé. Cliquez droit et faites pivoter pour viser le destroyer Gate, puis cliquez sur le pouvoir. Oh. Alors attendez. Cliquez droit et faites pivoter la caméra pour viser le destroyer Gate, puis cliquez sur le pouvoir de projecton de Kaidan. Relâchez enfin espace pour reprendre la partie. Cliquez droit. Ok, mais évidemment, je peux pas l'avoir. Ok, je crois que j'ai pigé ce qu'il nous demande. Donc je clique droit, je fais ça et je fais... Ah oui, mais je ne l'ai pas rechargé. Alors on va aller se planquer et on va attendre un petit peu. Je suis en train de crever, c'est ça? Qui c'est qui est en train de crever? C'est moi. D'accord. Est-ce que je peux en prendre un autre ou pas? Non, j'en ai plus. Inventaire. Inventaire. Qu'est-ce qu'on a qui sert à rien? Fusil à pompe. Le pistolet. Qu'est-ce que j'ai moi comme pistolet? Est-ce qu'elle me montre le pistolet que j'ai là ou pas? Ouais. Kessler ou Striker. Toc, toc, toc. Donc le pistolet que j'ai fait pas beaucoup de dégâts, mais par contre, est très précis. Ouais, tout ça, ça se vaut quoi. Allez, on va en faire de l'omnigel de celui-là. Et comme ça, je vais pouvoir me... Non, je peux pas. Bon. Pourquoi je peux pas me re-soigner là? Ah, parce qu'il faut attendre que ça se fasse. Ouh là là, d'accord. Donc on va réessayer. Est-ce que... C'est compliqué. Je crois que je commence à comprendre pourquoi j'avais fini par abandonner. Donc là, on va attendre que ce pouvoir-là soit, il soit refait. Donc voilà, on va glandouiller un petit peu. Alors je ne sais pas comment on peut savoir s'il est bon ou pas. On ne sait pas en fait.
Ça y est, là il est bon. Donc on va retenter ce qu'ils nous ont dit, à savoir, on fait une pause. Avec le clic droit, on vise le vilain méchant et on dit à Kedan d'utiliser ça. Ça fait quoi? Pourquoi je peux pas avancer là? C'est vraiment pas le moment! J'ai pas pigé. Appuyez sur F. Ça sert à rien. L'utilisation coûte un Medi machin. Ce dernier s'obtient en abattant des ennemis. D'accord. Bon. Pourquoi je ne pouvais pas avancer? Il n'y a pas une marche là pourtant. Bon, il est dead ou quoi l'autre là? Non, il est toujours là. Alors, je suis obligé de me mettre à découvert pour avoir le viseur. C'est un peu couillon. Parce que là, je ne l'ai plus, c'est ça? Oh, c'est relou. Est-ce que je le vois là? Il est où? Il est là. Non, je le vois pas, évidemment. Faut que je me décale un tout petit peu. Eh ben, il est mort, ça y est. Allez, venez les copains, on y va, suivez-moi. Donc, flèche du bas, c'est ce tour. Suivez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre truc? Donc, ça, c'est quoi? Endommage les boucliers ennemis dans la zone d'effet. Les armes ennemies à proximité surchauffent et infligent des dégâts mineurs. Qu'est-ce qu'elle a, elle-même? Ashley permet de tirer de longues rafales précises. Donc, il est à charger. Régénère une partie de vos boucliers, y compris sous le feu. Ok. Très bien. Alors, ah oui, et c'est là, non? Kedan Shepard. Donc, je sais pas comment je fais pour toujours, mais c'est pas grave, on va trouver. Projeté vers l'arrière, ça, on s'en fout. Quand celui-là va être prêt, on va prendre celui-là. En attendant, moi je vais changer de flingue. Je vais prendre celui-là, celui que j'ai pas le droit de prendre. Et j'ai tellement pas le droit de prendre que je peux pas les viser. C'est super cool. Ok. C'est chaud. C'est un Didis Gigou un peu. Alors j'ai pas les capacités requises. Ah, c'est pratique ça, donc c'est plus pratique comme ça. Pour utiliser cette arme là. Pourquoi je peux pas viser sinon? C'est chiant ça. Ben voilà, là par exemple, ça m'aurait arrangé de pouvoir sauter pour sauter par-dessus le bidule. Je les ai ou pas quand je fais ça? Oui, il tombe, hein. Il en reste donc un. Eh, non mais alors? Qui c'est celui qui a du skill? Le truc qui va jamais digérer le gars. J'ai encore coincé. Hop, donc faut qu'on sorte. On va y aller mollo, hein. Dit-il en partant en courant. Allez vous mettre là-bas, vous. Ça va, il se place à peu près bien, ce qui est plutôt cool. Un Medigel. Donc je suis à 4. Alors, en bas, vous voyez dans le truc avec les noms, il y a la petite main. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est lié? Ouais, c'est ça. Ça, on suit. Ça, vous allez quelque part. Par exemple, ici. Ça, je sais pas ce que c'est. Bon, je regarderai plus tard. Allez là-bas. On va s'entraîner un peu. On peut descendre là-dedans. Allez, venez. Commande du train activée. Où est-ce que tu as vu des commandes? C'est là-bas. Ouais. Allez, venez, on va prendre le train.
C'est assez joli, malgré tout, pour un... Bah venez, oh. Ah oui, si je leur dis pas de suivre, après ils viennent pas, c'est couillon. C'est couillon. Vous êtes prêts ? Rangerez vos armes, nous sommes là en paix, n'oubliez jamais. C'est parti. Armez les charges, détruisez toute la colonie, effacez toute trace de notre présence. C'est pas comique lui, hein ? Ça va faire beau. Oh, je crois me souvenir d'un truc chronométré. Ça me dit quelque chose, ce truc-là, où j'ai X minutes pour réaliser quelque chose. Le truc dont j'ai horreur dans les jeux. Ça, c'est le truc dont j'ai horreur. Vous comprenez ? Vous venez de vous équiper des... Bah, mais alors, qu'est-ce que ça peut te faire ? Je fais ce que je veux, moi. Bah oui, c'est ça. Regardez. Puis là, je me presse pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Des charges explosives. Un cadeau des guettes, probablement. Mais... Il faut les trouver, les désamorcer toutes. Vite. Pourquoi je peux pas désamorcer, là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour... Ah, d'accord, faut que je reste dessus. Il faut les trouver toutes. D'accord. Il y en a une par là. Il faut qu'on arrive à monter par là. Non, attendez. Allez, s'il nous tire dessus, ouais, faut passer par là. Allez, on se dépêche. Je vais trop vite, là. Même moi, j'arrive pas à voir ce que je fais. Où ils sont? On va reprendre l'arme, c'est celle-là. Ça a pas l'air terrible. Mais pourquoi je peux rien faire là? C'est ça qui m'embête, je comprends pas. Bon. Je pige pas du tout, pourquoi je ne peux pas viser. Et en plus je suis en train de crever, donc j'ai même pas compris pourquoi. Bon bah je vais reprendre mon pistolet de merde alors. Bon, pistolet de merde, mais un peu efficace quand même. Toi, t'es trop loin, c'est ça. Votre santé est basse, mais qui c'est qui me tire dessus? Toi, tu peux pas, tu t'en es servi, Bécassine. Les armes ennemies surchauffent. Ok, et tu vas me faire ça sur lui, là. Tu peux ? Non, tu peux pas. On y a cru. Ça, c'est quoi ? Endommage les boucliers ennemis. On va essayer ça. Donc là, il y a un bouclier ennemi. Hein, on est bien d'accord. Ce qui n'a rien fait. D'accord. Je suis en train de crever. Pas le temps de poser. Et je peux pas prendre de vie. Donc, lui il est gelé. Il reste qui ? Par où on passe là ? Je comprends pourquoi ça m'a saoulé ce jeu. Oh, en fait, il y a beaucoup trop de choses à gérer pour ma petite tête. Bon, là, j'aimerais bien... Bon, lui, il est mort. Super. C'est vraiment pas le moment. Non, vraiment pas. Arrête de faire des blagues. Mais je sais même pas par où passer. Alors, vous comprenez quoi, c'est pas gagné. Par où on passe? Faut aller de l'autre côté, je ne trouve pas par où aller. Salut l'ami des grenes du grenier, comment vas-tu, voisin? Bon, je misère les gars, je misère. Bon, on l'aura jamais, c'est certain, j'essaye juste de... Attendez, on peut continuer à avancer avec le train, c'est pas ça le truc débile? Non, c'est pas ça. Donc, de toute façon, on a déjà perdu notre pote, donc ça va pas le faire.
Ah, mais c'est par là, couillon. Bon, on va s'entraîner un peu sur ce niveau-là pour où ils sont. Je suis pas super fan du... Oui, je sais, je suis encore mort. Alors, dès que je me mets à tirer sur quelqu'un, je crève. Allez comprendre. Est-ce que tu veux bien t'en servir cette fois-ci ? Oui, c'est merveilleux. Raté. Raté. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Pas raté, mais même pas mal. Dans ta face, on va reprendre notre petit bitonio. Est-ce que ça coupe le... Ouais, 57 secondes, c'est sûr que c'est mort. Mais pourquoi tu cours pas, là ? On reviendra voir tout ça plus tard. Donc, j'en ai une par là, ici. Elle est où la dernière ? Il en reste une. Il en reste une. Elle est où ? Elle est où ? Oui, non ? Non, c'est pas ça ce que je cherche. Elle est où ? Je l'ai pas sur mon radar, je suis un peu embêté. Bon, en même temps, j'aimerais... Mais il a ressuscité, lui ? Bon, je comprends rien. Bon, c'est pas le moment. Je cherche la troisième. Par là. Par là. Descends. Par là peut-être. Ça c'était évident, mais je voulais... Voilà, bon on est mort. Très bien. C'est une bonne chose, un bon débarras. Tu vois, T-Web, le skill de fou. Échec critique de la mission. Bon, on va réfléchir un petit peu. Le truc qui m'a posé problème le plus là, c'est que quand j'étais planqué derrière l'espèce de bidule, j'aurais bien aimé prendre mon fusil à longue portée, mais je me suis fait bananer. Je ne pouvais pas. De toute façon, on va y arriver, on verra bien. Enfin, on verra bien. Des charges explosives. Un cadeau des guettes, probablement. Oui, allez où la première ? Elle était par là. Il faut les trouver, les désamorcer toutes ! Vite ! Elle s'était cachée. Donc après, ils vont s'exciter. Bon, là, on va gagner un peu de temps puisqu'on sait où elles sont. Venez ! Suivez-moi ! Mais... Oh, c'est chiant. Donc là, je prends mon fusil à lunettes. Non mais sérieux ? Je tape dans mon truc qui me protège là ou je tape dans quelque chose ? Ça a l'air pas mal ça quand... Mais l'autre il a le bouclier. Alors, attendez, hop, il y en a un petit peu. Ok, il y en a un autre sur le côté. Alors, je pense que je peux pas lui niquer le bouclier, il faut faire ça. Le bouclier, c'est qui défonce les boucliers ? C'est pas ça. Endommage tous les boucliers, on va sélectionner ça. Ah non, mais il faut d'abord que je sélectionne l'endroit, non ? C'est pour ça que ça marchait pas tout à l'heure, peut-être. Parce que là, je vois pas comment... Ah là, je vise rien, en fait, ok. Oh, c'est chiant. Brouillage, on m'a brouillé mon rayon laser. Mais il me tire dessus là, c'est pas vrai. Comment il fait ça? Ah, et quand je reprends de la vie, ça enfile à tout le monde. C'est bon à savoir. Celui-là, il est réglé. Allez, venez. Ah, c'est soufflé un peu vite, ma mère. J'ai gagné un niveau! Je suis le maître du monde!
Non, je pense que quand maîtrise, ça doit être sympatoche. Bon, il y a du boulot, je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Il est où celui qui nous tire dessus, là, comme un sauvage? Il est planqué, hein. Bon, allez, on y va. J'aurais dû changer d'arme. Crotte de bique. Protégez-moi! Ah, on en a plus qu'un. Où il est l'autre? Ok. Allez, venez, on change d'arme. Je suis au top de ma concentration extrême. Échec de la sauvegarde. Ah oui, ça c'est relou par contre. Enfin, c'est relou, c'est normal. On peut pas en combat. Est-ce que ça va marcher? Il doit y avoir un truc, j'ai pas compris. Hein. Et là, je vais mourir. Je vais mourir. Ça sert à rien ce que je fais, on est d'accord? Laisse la tête, cocotte. J'en ai eu un. Ah ! Au secours ! Poussez-vous ! Heureusement qu'ils sont à moitié cons. Et que moi je suis à moitié mort. Je peux pas changer de côté. Elle est où la dernière? Vite, il me reste une minute. Elle est sur la gauche. Apparemment il n'y a plus personne. Vite, 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 vite. Elle est quelque part par là. Elle est où? Là-haut? Non, là? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Pousse-toi! Oh, mais il y en a plein! Non, non, mais laissez tomber, j'arrive à toucher mes poils. D'accord. Bon, bah, c'est mort. Je ne sais même pas où elles sont. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça dans. C'est pas possible, les copains, là. Mais vous les voyez, vous? Oh la vache. Ouais, non, mais maintenant c'est bon, j'ai compris pourquoi. C'est compris. Voilà, c'est fini. J'ai compris pourquoi j'ai arrêté très rapidement ce jeu. Je réfléchis comment on pourrait faire. Parce que là, le problème, c'est qu'il va falloir à chaque fois qu'on fasse ce jeu-là, qu'on va, enfin ce jeu, cette séquence, que l'on arrive. Parce qu'il y a le problème du temps, c'est une chose, mais c'est le problème de je ne sais même pas où ils étaient. Les fameuses charges. Faudrait que je perde moins de temps au début, ça c'est clair. Pourtant, je crois qu'au début, ils disent qu'il y en a trois, c'est pas ça? Des charges explosives. Un cadeau des guettes, probablement. Il faut les trouver, les désamorcer toutes. Vite! Je vais faire un truc un peu con. Vous allez voir. Mais je voudrais tester ce qui m'intéresse. Non, j'ai pas le choix, de toute façon. Allez, venez! Alors là, étrangement, pour je ne sais pas quelle raison, je ne peux pas vraiment courir. Là, d'un seul coup, elle se met à courir comme une dingue. On sait toujours pas pourquoi. Oui, je sais, là, je vais mourir. Mais j'essaye un truc. Voilà. Ça m'a rien donné. Mais ça me permet de tester la course. Je comprends pas pourquoi, quand elle court, des fois, elle court vite. Donc, enfin, je comprends qu'au bout d'un moment où elle est fatiguée, elle court moins vite. Mais là, par exemple, j'étais pas du tout fatigué. Des charges explosives. Elle se met à courir vite d'un seul coup. Et pas au début de la course, c'est ça ce que je veux dire, surtout. Pff.
Ou alors on le fait comme ça, à la Bourrinos. Donc là, je me mets à courir. Ça fait rien. Vous venez de vous équiper pour dîner, mais vous m'ennuyez, les amis. Vous m'ennuyez. Je fais ce que je veux, ok? Ouais, je crois que on va pas aller loin sur ce let's play. Parce que ça va me saouler. C'est dommage, c'est un très bon jeu à la base, mais voilà quoi, il est beaucoup trop difficile. Le soulage, le soulage. Là, je prends pas de plaisir du tout. Hein. Là, je peux rien faire. Enfin, si, je peux me barrer. Voilà, je peux pas prendre de vie. Je peux rien. Je peux strictement rien faire. Voilà. Voilà, j'ai plus qu'à crever. Bon, je crois que ce que je vais faire, en fait, je vais m'entraîner un peu. Tout seul. Et quand j'y arriverai, enfin, soit j'y arrive et on des continue, soit j'arrête. Là, pour moi, ça me parle. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. T-Web, si t'es toujours là. Je sais bien que j'ai pas le skill de folie, mais t'avoueras quand même que là, qu'on a réussi à dégommer la deuxième tentative qu'on a fait, où on a dégommé à peu près tout le monde assez rapidement, impossible de trouver les autres. Enfin, bref. Bref, je pige pas, quoi. Là, j'utilise pas les armes qu'il faut que j'utilise. J'ai pas le droit à cette arme-là. Ah, parce qu'on peut envoyer... avancer en discrétion, peut-être. Là, je peux rien faire, là, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'ai... Même pas. Là, je peux rien faire non plus. Je suis obligé de me... C'est vraiment chelou. Et là, d'un seul coup, je peux. J'ai l'impression de tirer sur la rambarde, mais bon. On va dire que non. Et voilà, boum, je suis. Une balle, t'es mort. Les autres, ils, tous les. Bon, allez, laisse tomber. Allez, je me laisse crever. Non, je m'en remets pas. Je m'en remets pas et. Non, mais de toute façon, je sais bien. J'en profite. Je rigole avec ça, hein, t'inquiète. Et de toute façon, c'est à la base vrai, mais t'avoueras quand même que. Là, il y a quand même un truc qui déconne, quoi. Là, j'ai plus qu'à attendre de mourir, mes potes sont morts, donc j'ai plus rien à faire. Et on peut... commando, aide à la visée. Non, quand même pas, non. Ça, je sais pas ce que c'est. On va essayer en facile. Peut-être que ça rallonge le temps, je sais pas. Mais là, même sans ennemis, je ne trouvais même plus pas où était... il s'énerve, le gars, il s'énerve. Allez, tuez-moi, qu'on en finisse, là. C'est bon, allez. Hop, je me mets debout, je suis là, vous voyez au moins. Là, je peux pas viser, par exemple, je sais pas pourquoi. Bonjour, allez, tuez-moi. Ah, bah quand même. Bon. Je me souviens que je l'avais passé à l'époque. Allez, on se reconcentre. En facile quand même, mince, si on n'y arrive pas en facile. Un cadeau des guettes, probablement. Il faut les trouver, les désamorcer toutes, vite. Si j'y arrive pas en facile, j'abandonne. Je sais pas. Je me mets au sudoku. Donc là, est-ce que ce... Non, là, on est fait pour tirer d'ici, d'accord? Mais... Oui, là, je prends mon... Voilà, là, je peux rien faire. Je peux pas viser, je peux pas tirer. Parce que si je tire, eh bien, évidemment, je tire là-dessus. Ce qui n'a pas beaucoup de sens. Et donc, si je veux tirer, il faut que je me mette à découvert. Et là, ça a marché. Mais évidemment, si je me mets à découvert, je me fais défoncer. Donc...
Je suis le roi des rambardes. S'il veut le faire en facile, moi ça me dérange pas de le faire en facile. J'ai pas de, d'orgueil à ce niveau-là. Mais j'aimerais jouer, hein, parce que là je joue pas là. Jouer, c'est prendre du plaisir. Cette mission, ils auraient dû la faire. Quoi, je suis déjà mort ? Oh bah non, mes potes sont morts. Et hop, c'est bon. Je sais même pas où je suis. C'est ni l'un ni l'autre. C'est ça, non ? Donc faut pas rester là, a priori. Un cadeau des guettes, probablement. Faut qu'on trouve l'astuce. Les désamorcer toutes, vite. Ouais, c'est pas grave, perdu pour perdu. Donc qu'est-ce que j'ai comme arme là ? J'ai mon pistolet. Alors, ce que je vais faire... Oh putain. Mais me donnez pas cette arme là si je peux pas m'en servir et puis c'est tout. Punaise, c'est pas possible quoi. Un truc à la con, y'a pas raccourci par là, tiens. Tant qu'on y est. Ça me fait pencher, je sais pas si vous connaissez la, l'ami. Et si on lançait le DLC de Last of Us, ouais. Je crois que ça va se terminer comme ça. Non, je veux... Là, bon, pour ce soir, c'est mort. Non, je veux y arriver. Je comprends pas quand même que dès le début du jeu, c'est presque le tuto encore, on n'arrive à rien. Enfin, j'arrive à rien, c'est quand même un peu fou, non? Voilà, je suis mort. Qu'est-ce que je peux faire, franchement? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. Là, il disait nanani nanana et mettez le viseur là. Le problème, c'est que là, vous le voyez le viseur? Moi, j'en vois pas. Donc, comme ça. Je pige pas, c'est tout. Là, je me fais défoncer même en étant derrière, quoi. Je peux pas tirer là. Comment vous voulez faire tout ça en 4 minutes? Sérieusement. Et voilà. Ils sont où les autres là? Bah ils se débrouillent quoi. Alors, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui connaît le jeu en fait, qui m'explique ce que je fais qui va pas. Ça, c'est dommage que j'ai pas les capacités pour celui-là parce qu'il est quand même bien cool. Qui c'est qui est encore vivant là-bas? Pff, mais il y en a tellement, quoi. Sérieusement. Donc là, est-ce que je peux lui mettre. Hop. C'est ça? Non. Leur indiquer d'utiliser leur pouvoir. Ben oui. Ça fait rien, on est d'accord. J'y comprends rien. C'est ça ce qui m'embête le plus, c'est que je comprends rien en fait. Pourquoi il le vise pas alors? Attendez, par contre... Oh putain, c'est la galère, la galère. La galère, galère. En fait, je peux le toucher que si la machine a décidé que je pouvais le toucher, en fait. Je crois que c'est ça l'astuce. Donc il y en a une là. Il reste 2 minutes, c'est pas impossible. L'autre doit être là-bas. Et il y en a une en bas. Ok. Non mais je crois que pour les streams, je vais pas balancer ça. Ça, je vais me le faire pour moi. Ah mais j'ai fini ! Oh ! Bon, enfin, en tout cas, ça m'explique pas pourquoi les ordres que j'ai donnés n'ont pas fonctionné.
Attendez, je suis en train de regarder. Nous, on a fait ça. On est sorti par là. On est monté là. On aurait pu repartir en arrière pour le faire là. Ok, ça nous aurait pas aidé plus que ça. En fait, fallait pas descendre. L'erreur, c'était de descendre. Mais ouais, j'ai pas compris pourquoi je pouvais pas donner d'ordre. Enfin, en tout cas, pourquoi ça ne fonctionnait pas, les ordres que je donnais. Je vais rester en facile, hein, parce que visiblement, c'est tendu. Donc, j'ai monté, j'ai pris un niveau. Est-ce que, je me souviens même plus où c'est. Tout prendre. Cliquer sur. D'accord, mais je m'en fous de ça. Donc là, ça, je l'ai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le pistolet 101, mais il chauffe. Il n'est pas précis. Il chauffe pas beaucoup plus. Hein. Je vais prendre ça. C'est quoi ça? Fusil de précision. J'ai le Reaper 1. Il fait taux de précision dans le 41. Il est mieux. Je me souviens même plus comment j'avais fait. Ah oui, c'est commando. Commando, c'est pas ça? Moi, j'ai 3 points. Je suis tireur d'élite. C'est fou ça. Le fusil de précision, je ne sais pas pourquoi je peux pas le titiller. On va se mettre en niveau sup auto, on va pas se prendre le trognon. Ouais, je pense que c'est ça qui m'avait saoulé quoi. C'est qu'il y a beaucoup trop de choses à gérer. Je vais peut-être convertir certaines choses en omnigel. J'ai même... Non, j'en ai 3. Donc là, allez, on essaye de... Non, c'est pas ça. C'est ça que je voulais prendre. On a des ennemis. Et si je me colle là, on est foutu. Voilà, là, j'aime mieux. Sur qui tu tires, toi? Ah oui, il y en a un qui va arriver là, je pense, hein, si je me souviens bien. Ou pas. C'est le système de visée qui est un peu particulier quand même, parce que... Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est pas bien? Ouais, comme tu dis, c'est un miracle. Non, je suis déçu, en fait. Voilà, c'est ça, je suis déçu. Encore une fois, je suis pas déçu. Mon niveau dans genre de truc de phase de shoot, je le connais. Je sais que je suis pas super bon. Mais je suis déçu qu'un jeu comme ça... Bah attendez, je vais essayer de faire ça d'abord. Tentez un override manuel. Allez, vas-y manuel. Hop, 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 hop. Je suis coincé. Ok, là-bas, on peut y aller. Hop. Des stickers. Il y a un autre truc ailleurs. Donc c'est cette balise-là. Là. La balise, elle est là. Alors, attendez, on va fouiller un petit peu. On peut aller là-bas. Il faut insister, il faut y arriver, il faut qu'on avance. Normandie, la balise est sécurisée. Demande d'évacuation immédiate. En état de marche. Vraiment fabuleux. Elle faisait pas ça quand on l'a déterrée. Quelque chose a dû l'activer. Mmh. Bien reçu. On reste en stand-by. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. Ne touchez pas, c'est trop dangereux.
Vous croyez que j'ai reçu le savoir à l'insu de mon plein gré? Je crois que me souvenir que ce qui m'avait fait craquer dans ce jeu-là, c'était une espèce de, bah je vous l'avais dit l'autre jour, de balade dans un espèce de buggy sur une planète, là, un rover, on devait chercher des trucs. Il me semble que c'est dans ce jeu-là, et pff, ça m'a saoulé. Nous avons identifié le vaisseau qui s'est posé sur Eden Prime. Il s'agit du Normandie, un vaisseau humain de l'Alliance. Il était dirigé par le capitaine Anderson. Ils sont parvenus à sauver la colonie. Et la balise? L'un des humains a peut-être réussi à l'utiliser. Eh bien, sur cet amoncellement, ou pas. Docteur? Docteur Chakwas? Je crois qu'elle se réveille. Vous nous avez inquiétés, Shepard. Comment vous sentez-vous? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que je fais ici? Combien de temps je suis restée dans les vapes? Une quinzaine d'heures. Cette balise vous a fait quelque chose, j'ai l'impression. C'est ma faute. J'ai sûrement déclenché une sorte de champ de sécurité quand je me suis approché. Vous avez dû me pousser de là. Qu'est devenue la balise? Où est-elle? Elle a explosé. Surcharge du système, peut-être. L'explosion vous a mis KO. Du coup, Williams et moi, on vous a transporté jusqu'ici. Ok, et pourquoi pas à l'hôpital? Vous êtes au courant qu'il y a des hôpitaux sur Eden Prime? Vous êtes bien mieux dans cette infirmerie que dans n'importe quel hôpital d'Eden Prime. Physiquement, vous allez bien, mais j'ai détecté une activité cérébrale étrange, des ondes bêta anormales. J'ai aussi remarqué des pics d'activité durant le sommeil paradoxal. Ce sont des signes typiquement associés à des rêves intenses. J'ai rêvé, oui, effectivement. J'ai vu... En fait, je ne suis pas certaine de ce que j'ai vu. La mort, la destruction... Rien n'est vraiment clair. Je vais ajouter ça à mon rapport. Ça pourrait... Oh, Capitaine Anderson. Comment va notre commandant en second, docteur? Tous les examens ont l'air normaux. Je pense que le commandant va s'en remettre. Ravi de l'entendre. Shepard, il faut que je vous parle, en privé. À vos ordres, capitaine. Je serai au mess si vous avez besoin de moi. On dirait que cette balise vous a bien secoué, commandant. Vous êtes sûr que ça va? Ça va, oui. Je survivrai. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Ça se présente mal. Nilus est mort, la balise a été détruite, les guettes nous envahissent. Le Conseil va vouloir des réponses. J'ai fait mon travail. Les guettes auraient massacré toute la colonie si je ne les avais pas arrêtées. Je vous soutiendrai, vous et votre rapport. En ce qui me concerne, vous avez l'étoffe des héros. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il s'agit de Saren, cet autre Turien. Saren est un spectre, l'un des meilleurs, une légende vivante. Mais s'il collabore avec les Geth, ça signifie qu'il a changé de camp. Et un spectre renégat, c'est le début des ennuis. Saren est dangereux et il déteste les humains. Pourquoi donc déteste-t-il les humains? Pourquoi? Il pense que nous nous étendons trop vite, que nous envahissons la galaxie. Beaucoup d'extraterrestres pensent comme lui, mais la plupart en restent là. Pas sa reine. Il s'est allié avec les Geth. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais c'est lié à cette balise. Vous étiez sur place juste avant que la balise ne s'autodétruise. Vous avez vu quelque chose? Un indice qui pourrait nous indiquer ce que cherchait sa reine? J'ai pas envie de trop en raconter, en fait, parce que... En même temps, je suis un soldat, je dois obéir. Mais je ne sais pas trop. Juste avant de perdre connaissance, j'ai eu une sorte de vision. Une vision? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai vu?
un avertissement. J'ai vu des créatures artificielles, les guettes peut-être, massacrer des gens. Un vrai carnage. Il faut signaler ça au Conseil, Shepard. Pour dire quoi ? Pour leur dire quoi exactement ? Que j'ai fait un mauvais rêve ? Nous ignorons quelles informations étaient stockées dans cette balise. Une technologie protéine disparue ? Les plans d'une ancienne arme de destruction massive ? Quoi qu'il en soit, Saren s'en est emparé. Mais je connais Saren. Je connais sa réputation, sa manière de faire. Il pense que les humains sont une plaie pour la galaxie. Cette attaque, c'était un acte de guerre. Il possède les secrets de la balise ainsi qu'une armée de guettes à ses ordres. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir éradiqué l'humanité de toute la galaxie. Pas si je peux l'empêcher. Je trouverai un moyen de le vaincre. Ce n'est pas si facile. C'est un spectre. Il peut aller partout et faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est pour ça que nous avons besoin du Conseil. Ils ne nous aideront pas. Ce serait bien la première fois qu'ils aideraient l'humanité. Si nous prouvons que Saren est un traître, le Conseil le destituera. Je vais prendre contact avec l'ambassadeur, voir s'il peut nous obtenir une audience avec le Conseil. Ok. Il voudra nous rencontrer dès que nous serons à la Citadelle. Très bien. On ne doit plus être très loin. Montez sur le pont et dites à Joker de nous conduire à quai. D'accord, ça marche. Je voulais voir le raccourci pour commando. Qu'est-ce que c'est ? Tant qu'on est tranquillement là, équipe, équipement, commando, c'est U. 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 C'est ça. C'est ça, d'accord. Là, je suis tout seul, évidemment. D'accord. Bon, on va aller voir les poteaux. Quoique... On va visiter un petit peu. Donc là, c'est pas la course, en fait. C'est pas ça, la course. Content de voir que vous allez bien, commandant. Merci, tu veux peut-être que je tape la discute un peu. Commandant, content de voir que vous allez bien. Ouais. La mort de Jenkins, c'est un coup dur pour l'équipage. Heureusement que nous ne vous avons pas perdu aussi. C'est la vie de soldat. On ne pouvait pas le sauver. Je sais bien, mais ce n'est pas pour ça que ça me plaît. En fait de vol d'essai, on a eu droit à un sacré baptême du feu. Un spectre qui en désingue un autre. Le Conseil va faire la gueule. Et il en profitera sans doute pour soutirer d'autres concessions à l'Alliance. Gardez ça pour vous. Ce qui se prépare est trop important pour céder au défaitisme. C'est compris, lieutenant ? 5 sur 5, chef. Autre chose avant qu'on débarque ? Gardez vos interrogations pour vous. Je ne tiens pas à faire un rapport parce que vous discutez les ordres. À vos ordres, chef. Je suis contente que vous alliez bien, commandant. L'équipage Merci. A besoin de bonnes nouvelles après ce qui est arrivé à Jenkins. Je dois y aller. Il faut que j'aille parler à Joker. Au revoir, commandant. Salut. Et donc c'est par là, d'accord. On remonte. Il est où le Joker ? Presley. C'est pas lui. C'est par là. C'est quoi le truc rouge là ? Faut que j'aille parler à Joker. A priori, il faut que j'aille là-bas plutôt, hein. C'est ça que tu veux que je fasse ? Pour aller sur... C'est bizarre parce que ça correspond pas à l'objectif. Alors je sais pas si la petite flèche qu'il y a dans le radar, ça correspond à... Réponse 1. Un éventuel nord ou quelque chose comme ça. Ou si c'est l'endroit de là où... Si c'est un indicateur de quête, entre guillemets. Donc là, on revient où on était tout à l'heure, c'est ça ? Ouais. Bon, on va se balader un petit peu. On va où si on va là-dedans ?
Ah, je me souviens aussi que j'avais pas mal galéré. Non, j'ai rien acheté. Ah, ça me dit quelque chose, ce rover là. Alors, je suppose, pour modifier l'équipement d'un coéquipier, d'accord. Donc, en fait, on sait pas où est la quête. Hein. Casier des équipiers. Officier d'approvisionnement, est-ce qu'on peut déplacer? Ouais, donc là on a qu'un étage, c'est ça. Ça c'est le zoom, ok. Bon, bah a priori, et si je fais J, journal de quête, trouver la balise, parler à Joker. Rendez-vous au cockpit pour demander à Joker. Bah c'est là où on était le cockpit, non? Là où il y avait la carte. Ce serait bien qu'il y ait un plan du vaisseau. On sache, par exemple, je sache où est le cockpit. Ah oui, rappelez-vous, le cockpit, c'est là où on était tout au début du jeu. Donc, si je me souviens bien, je pense qu'on est au bas... C'est au-dessus, hein. J'allais dire on est au bon étage, mais non, j'ai pas dit ça. C'est au-dessus. J'ai l'impression que ça lag. Comment est-ce que c'est possible, ça? C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Donc ça doit être un de ceux-là, non? Il y a personne là? Bah, il y a plus personne. Oh, si, il est là. Joker. Vous tombez bien, commandant. Je m'apprêtais à nous amener à la citadelle. Eh bien, allons-y. De ce vaisseau. L'ascension. Vaisseau amiral de la citadelle. C'est pas la taille qui compte. Là, ça sent le vécu, Joker. Sans puissance de feu, la taille, c'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté, alors. PC Citadelle, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation d'atterrir. En attente d'autorisation, Normandie. Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie, terminé. Normandie, ici tour de l'Alliance. Arrimage quai 422. C'est un scandale! Le Conseil interviendrait si les Geths attaquaient une colonie turienne! Les Turiens ne fondent pas de colonie à la frontière des systèmes Terminus, ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre! Le Conseil doit agir! Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, ambassadeur! Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Il n'apprécie pas qu'on l'accuse de trahison. C'est pourtant la vérité. Saren est une menace pour toute colonie humaine. Le Conseil doit en prendre conscience, de gré ou de force. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves. Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéen. C'est Saren le responsable, pas elle. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations.
Autrement, le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir Spectre. Suivez-moi, capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la Citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je peux pas sentir plus les web. De toute façon, je vais m'arrêter là aussi. James, salut à toi. Tu nous dis que tu as adoré Mass Effect. Eh bien, écoute, tu as raté un petit peu le début de ce Let's Play. Alors, moi, je l'avais déjà fait, le début, il y a quelques années, et j'avais craqué. Voilà, j'avais craqué. Et là, je me suis dit, pris d'un courage exubérant de fou, je me suis dit, je vais m'y remettre parce que, effectivement, c'est un jeu culte quelque part qu'il faut faire. Et là, pourtant, ça fait pas longtemps, on n'avait rien fait là encore. Et ça me pèse. Ça me pèse déjà. Ça me pèse. En fait, la courbe d'apprentissage de ce jeu-là, et en plus, je comprends pas, avec le temps, ça lag à mort. Il faudrait que je raffiche les FPS, mais enfin, si j'ai quelques soucis avec. J'ai une Titan là sur celui-là. Ce serait c'est un peu bref et donc du coup je suis la nuit porte conseil on va dire donc je ne sais pas je vais lui redonner encore une chance sur un test enfin une session de 2-3 heures et si je ne prends pas plus de plaisir je vais arrêter tant pis. C'est pas le nombre de jeux qui manque, ça m'embête parce que c'est vraiment une série que j'ai jamais faite, enfin sauf le premier que j'avais commencé. J'étais allé plus loin que ça, je me souviens en particulier d'être passé trois plombes à monter dans un ascenseur. Et je crois que j'avais arrêté, comme je disais tout à l'heure, un endroit où il y avait... J'étais dans une espèce de rover sur une planète et ça me saoulait, quoi. Je tournais en rond, je savais pas ce qu'il fallait faire. Voilà, j'ai qu'à... J'ai des drops de FPS là, c'est sûr. Ne se regardez pas, ça va vous faire mal. Bon, cela dit, on se quitte là. Prochain stream, normalement jeudi. Je sais pas si on va faire ça. On va peut-être, moi, je vais peut-être me le garder pour moi. Éventuellement, je le diffuserai en VOD, mais je pense pas streamer ça. En plus, ça en stream, ça intéresse pratiquement personne. On l'a vu aujourd'hui. Et peut-être qu'on fera le DLC de The Last of Us. Left Behind qui doit prendre environ 4 heures je pense donc il pourrait se faire en 2 sessions donc on voit ça jeudi 17h et pour le reste donc je vais réfléchir sur ce que je fais de Mass Effect et voilà j'aime pas être dans cette situation là j'aime pas du tout surtout arrêter là je dois arrêter et arrêter dans cette espèce de sentiment de frustration intense mais c'est comme ça allez sur ce passez une bonne soirée. Ah, je dis ciao.